On est content de partir en vacances. Oui, on part en week-end. I got no money. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's go. This way, this party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les actualités du jour. Vous savez, c'est les vacances, hein. Ah, ça veut dire que du coup, je peux me reposer? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le nouveau vlog d'août. Comment est-ce à la casa? Aujourd'hui c'est branle-bas de combat. La langue française est quand même fascinante. Car nous avons reçu notre méga restock, le dernier restock de toutes nos pièces Hôtel Mafouf, ainsi que des produits, bougies, livres, etc. Donc à l'entrepôt, mon papa est en train de s'activer. Moi j'attends la réception des livres et nous aurons le méga restock qui va se faire et sur le site et à la boutique. Et ce sera le dernier restock puisqu'après on passera à autre chose et le pop-up va fermer. On a eu pas mal de moments où tout était sold out parce que vous avez été très 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 réactifs. Mais là on a réussi à avoir des vêtements dans toutes les tailles. Tout le monde travaille très 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 dur pour que ça se passe au mieux. Normalement vous avez tout ce que vous voulez sur le site. Et une fois que ce sera parti, ce sera parti. On arrive sur les 10 derniers jours et j'espère que ce restock pourra faire plaisir à tous ceux qui n'avaient pas pu faire leur commande. Voilà. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous voulez boire quelque chose? On a encore commandé des livres, toujours plus, pour que je puisse les dédicacer pour le site et la boutique. 1, 2, 3, 4, 5 et 8 et 3 en bas. Super. Maintenant, on file en réunion pour le pop-up, voir quel va être son futur et comment on organise la fin du mois d'août. Car je vous rappelle que c'est un lieu éphémère. On est content de partir en vacances. Oui, on part en week-end. On part en vacances. Mais elle est où Léna là? Elle est en face. Tu fais quoi là? Non, non, si. Non, si. Non, c'est pas mon milieu. Si. C'est pas mon milieu. Doucement. Oh putain, vous auriez pu vous faire mal là, la porte elle a claqué super gueule. Fort. Ta gueule. Oh mon dieu, elle est trop grande. Allez, allez. Ah, y'a un tabac. Ramener un week-end. Oh 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 oh. Wow. Y'a Tati Léna qui nous ramène en week-end. Oh, week-end à la campagne. Avant que certains sont à Majorque, Marbella, Ibiza, Corse. Bah moi ça me convient très bien. Ah ouais, moi aussi. Attention, attention, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Et nous avons un joyeux casting. Marcus, que vous connaissez en long, en large, ainsi qu'en travers. Wesley Creed. Ok, chacun doit se définir en un mot. Mignon, cool, beau gosse. Un mot. Ok, un mot. Cool. Non. Vibe. Alex Gawai. Attention. Attention. Steven Gwed. Sly. Et Spark Guy. Il a ses écouteurs. Joël, respect pour les chiant, gens. Chiant, 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 chiant. Gamin. À chaque fois, il fait ça. Putain. Merde d'autoroute. Tout ça. J'adore les airs d'autoroute. Je trouve plein de choses merveilleuses.
qu'on ne trouve pas dans nos rayons habituels. Dont les meilleurs chocolats du monde, les Bounty. Je peux pas croire que tu viens de dire ça. Si. De toute façon, Johan, si vous allez au restaurant un jour avec lui, il prendra toujours le menu le plus chelou que personne n'a jamais pris. Oui. La boisson avec le plus d'épices et de piments et d'ingrédients qui ne vont pas ensemble. Il dira, j'aimerais goûter. Tu devrais faire à l'hôtel Mafoufa un sandwich dégueu que personne ne prend qui s'appelle l'espargris. Avec de l'ananas. C'est drôle, dedans. Ouais. Mon rêve. Sandwich avec de l'ananas, il le prend, il kiffe. Un burger avec de l'ananas. Oh. On vient d'avoir un concept là. Viens, on goûte. Oh my god, je vais vomir vraiment. C'est ça, j'y vais. Viens, on goûte ça. Mais attends, c'est immonde. Voilà, toi, il a déjà goûté, j'en suis sûr. Johan, il va adorer. Ouais. Johan, il va trouver ça super bon. Et il y a Bounty aussi. Pardon. Alors, quel ingrédient chelou vas-tu manger aujourd'hui? Là-dedans, tu prendrais les pili-pili. C'est quoi? C'est du piment, ça a piment. Oh my god. Bonjour. Bonjour. Tu vois la photo? Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. T'es trop belle. C'est gentil, merci. Et puis bon courage, hein. Merci. Moi, je regarde tous les soirs. C'est vrai? Ouais. Bah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Ouais. Ah. Mais ça n'existe plus, le lecteur DVD. Là, tu m'offres un DVD, je le mets dans quoi? Mais ouais, justement, c'est que lecteur. Là, ça coûte 5 euros. Mais rajoute 6 euros dans 2 ans, 3, oh. 10 ans, 20 ans. Ok, on ressortira cet extrait du vlog dans 10 ans. Ok. Ah, ah. Oula. Oh là là. Oh là là. Oh lolo. Pas du tout bon. Je préfère boire des choses plus naturelles. Hein. Oh putain les gars, je me suis absenté 5 minutes pour faire pipi. Et regardez la pluie. Ah ouais, j'ai vu là. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Et tous les potes sont déjà dans la voiture. Là-bas. Ouais, les salauds, ils sont ils m'ont pas attendu. Quand faut y aller hein. Oh la purée. Ils sont tous à l'abri. Oh. C'est bon. Si je me prends un coup hein. Aïe aïe. T'es over quand on arrive à la maison, t'es fini. Le truc il est pas attends, drôle. Mais déjà, putain hein. Putain hein. Plus peur des regards, donc plus rien à prouver. Je vais y arriver, je suis plus seul à danser. Je vais arriver à danser. Hey, bienvenue dans le 7-7. Oh, attends, moi aussi je vais y aller. C'est comme ça qu'il commence le film d'horreur. Mais c'est pas une entrée ça. Mais vous êtes tous partis sans même pas m'ouvrir mon siège. T'inquiète. Et là la voiture elle part. Oh. Eh le climat il est plutôt humide. Ah il pisse. Voilà la pépisse. On est arrivé devant la maison. Waouh! On a le lac! Même pas, regarde la place. Mais c'est tellement sly à tout. Il y a plein de petits coins à visiter, regardez là-bas là. Waouh! Quoi là-bas? Chez Gamama. Guys, je vais faire un tour. Je vais faire un tour. Je vais faire un tour dans les chambres. Non! Johan, fais vite, on va ensemble! Voilà, ta chambre, allez. Manu Sullivan. Mais qui vous envoyait ?
demander dans la face. Mais déjà, pourquoi il y a une barque dans l'Airbnb? Dire qu'ils s'aimaient pas avant, vous pouvez pas se saquer. C'est vrai? C'est une belle histoire d'amour. Mais Marcus, c'est souvent les gens qui se détestent à la base qui créent les plus belles amitiés. Marcus, parce que tu pars pas sur une base hypocrite. J'adore. Toi, tu vois là, tu vois quelque chose de sincère. Qui sait faire un même marin? Qui va faire les courses? Ah, c'est marrant, il commence à s'endormir. Du vin rouge. Qui dit mieux? Vin rouge. Bon, moi je vois pas de vin rouge. Rosé? Moi aussi je vois pas de vin rouge. À la suite de ça. Mais attendez, on est des ouf. Du raisin, Marc. Oh, oh, des bananes! Des grappes de raisin. Allez! Spark Days? Oui. Pareil. Course? Moi aussi. Course? Elle me pince. Course? J'avoue. J'ai archi. Oh putain! Oh putain! Tu vas pas commencer à me caper les couilles, hein! Mais lève-toi! Tu parles à toi là, Sullivan! Sullivan fait trop le mec depuis qu'il est arrivé. Vas-y! Arrête! Vas-y, passe-toi! Passe-toi, il t'a fait mal dans la voiture, il t'a brisé les côtes! Aïe! Aïe! Arrête! Ah! Non, mais... Je vous laisse entre les mains d'Alix. Ce sera votre cam course. C'est parti! Let's go, DJ! Fais péter le son! Hop hop hop, on fait les courses. Ouais, j'adore faire les courses. Ouais. Alors, qui a la liste des courses? Le monsieur de la sécurité m'en va trop mal. Bah oui, parce que t'as un million d'euros. Bah ouais, mais... On vient en inspection, monsieur. Mais j'ai peur, mais j'ai peur. Ça filme? Ouais, même pas discret. Oh. On a un problème, parce qu'en gros, le mec de la sécurité, il me regarde trop mal. Petit et mental, ok, on continue. Petit et mental. Qu'est-ce que c'est là? C'est un endroit pour changer? J'adore les rondes de chambre. Vente d'alcool interdit? C'est pour ça qu'ils ont mis ça? Quoi? Bah regarde. Les moins de 21h. Alors là, il y a plein de trucs qui vont intéresser Susu, je le sens. Si on a un petit Hello Kitty quelque part. Oh my god. Vous n'avez pas le droit de filmer. Ah, j'ai pas le droit? Non. Ah pardon, excusez-moi, j'arrête tout de suite. Là, vous l'éteignez en fait. Je l'éteins. Qu'elle nous fait? Oh là là, un petit montage. Elle nous montre la vidéo de ce soir. Ah, c'est quoi? Vous étiez où? On était au restaurant de la mer. Oh là là. Arrête un peu le chaud. Qui fait à manger du coup? Ah! Ah! C'était pas une bonne idée. Les gars, vous avez craqué votre slip sur le raisin? Ouais. Quelqu'un a une infection urinaire? C'est quoi? C'est pour les infections urinaires, ça? Bah ouais. Tout à l'heure à la boutique, j'ai pris des ensembles jogging pour tout le monde parce que ça y est, il commence à faire moche et on va tous se doucher et se mettre en pilou-pilou. Ouais, merci beaucoup. Oh là là. Il se pourrait que Sullivan ait un peu rasé les pattes, qu'elles sont un peu molles. Marc, il a dit la science. Pour enlever du mou, faut que j'enlève du croquant. Bah... Il vient de mettre des chips. Mais toi, ton ventre, j'aimerais pas voir l'intérieur. Ça fait moi. Ça fait moi. Ok. Attends. Ouais. Attends, parce qu'il y a un problème. Attends. Vas-y, meuf. Attends. Je prends du raisin dans le frigo et je m'apprête à le manger. Ça et là, fait... Léna vient vers moi et me dit, goûte le raisin, dis-moi quel goût il a. Ça fait une heure que je mange ce raisin et je me dis, il a vraiment un goût trop chelou. Il est cheu. Mais genre, chelou. Goûte le raisin. Goûte le raisin. Goûte. C'est pas du litchi? Ben non. On dirait grave du litchi. Quand tout d'un coup. Raisin plaisir. Goût barba papa. Ah! Mais c'est si bas! Mais c'est quoi, c'est du raisin? Goûte. Goûte. Et dis-nous si tu trouves qu'il y a un. Tu vois, il a un goût. Il a un goût. C'est trop bon. Raisin. Périmé? Non. Goût barba papa. What the fuck? 100% naturel. En plus, il a écrit vraiment 100% naturel sur chaque. Par contre, je suis désolé, mais c'est excellent. Beyoncé, elle a sorti un nouveau Reels, on le met sur la télé. Beyoncé, elle peut vraiment mettre un snap de elle qui pisse aux toilettes. Ah! C'est affreux. C'est
Moi le regard il me regarde là. À toi Alix. Mais je suis un peu infantilisé je trouve. Ouais voilà, infantilisé. Je sais pas faire des traits d'adulte. Blackpink in your area. J'étais en train de scroller sur TikTok comme à mon habitude quand je rentre dans un état un petit peu de dodo. Quand tout d'un coup, je vous promets, deux TikTok à la suite étaient à mon sujet. Le premier disait que ma marque Hôtel Mafouf c'était de la grosse merde. Et le deuxième TikTok disait que... Et le TikTok juste en dessous, donc dans mes pour toi toujours, disait que les vlogs de cette année c'était trop chiant et que c'était trop nul. Et que Solène était enceinte car elle avait grossi. Et c'est sur ça qu'on va aller dormir. Yes! J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il vous a diverti. J'espère que si vous regardez ces vidéos, vous ne parlez pas mal des gens sur internet et que vous vous brossez les dents. Et je vous souhaite une belle soirée. Bisous! On se dit à demain, puisque les vlogs d'août c'est tous les jours. Check the coude! Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.